Nouvelle recrue de l'élevage de Touillon dans le Haut-Doubs, Bac a été importé d'Angleterre pour faire la monte pour la première fois en France en 2013. Fils par Kerléon de la grande championne produceur, gagnante du prix de la forêt, Bac a réussi une grande carrière de course sous l'entraînement d'Aidan O'Brien. Bac, il vient d'Angleterre. Donc pareil, on l'a acheté par l'intermédiaire de Richard Venn. Et c'est un cheval qui conjugue un peu les deux, c'est un cheval qui peut faire du plat et d'obstacle. Lauréat en débutant directement dans une liste en juin de ses 2 ans à Ascot, puis devancé d'une tête seulement par Sindar dans une préparatoire au derby, Bac a engrangé plus de 650 000 euros de gains sur le mile et les distances intermédiaires. Il compte 6 victoires dans les Royal Whip Stakes groupe 2 au Cura en Irlande, mais aussi 5 places dans les groupes 1. Dauphin du prix Jean Prat à Chantilly, 3e des champions Fantastic Light et Galileo en Irlande, ce robuste guerrier conclut aussi proche 3e de la Breeders' Cup Mile aux États-Unis. Bac arrive en France avec une production déjà confirmée outre-Manche, notamment sur les obstacles. Il a ainsi donné des gagnants de groupe 2 et de groupe 3 sur les haies en Angleterre et en Irlande, comme ici Ebridean sur l'hippodrome de Kempton Park, et des vainqueurs de Listed, dont l'un à l'automne 2012. Bac, qui toise 1m65, est disponible pour la première fois en France en 2013 à l'élevage de Touillon. Sa mère était très très bonne, puisqu'elle a gagné groupe 1. Et lui, il est deuxième de groupe 1, c'était un bon cheval de course. Quel type de qualité on va chercher chez Bac? Pour ramener peut-être un peu plus d'influx au-dessus des AQPS, ramener un peu plus de sang. Un cheval polyvalent qui est bien dans sa tête, bien dans ses aplombs.